Excellences, mesdames les premières dames d'Afrique, chères sœurs. Excellences, mesdames et messieurs les ministres. Monsieur le professeur Frank Stagenberg Avertamp, Chairman of Merck Foundation. Docteur Racha Kelej, Chief Executive Officer de Merck Foundation. Distingués invités, mesdames et messieurs. C'est pour moi un immense plaisir de vous rejoindre aujourd'hui virtuellement sur cette plateforme prestigieuse dont je fais partie depuis que j'ai commencé mon partenariat avec la Fondation Merck en 2016. Je profite de cette opportunité pour vous adresser mes sincères et fraternelles salutations. Depuis la première conférence à laquelle j'ai assisté en Côte d'Ivoire en 2016 et dans d'autres pays où la Fondation Merck a organisé des conférences, c'est la première fois que je n'ai pas pu vous rejoindre en personne cette année. Cela est dû à une coïncidence de chronogramme qui a nécessité mon déplacement dans un autre pays. J'aimerais profiter de cette occasion pour rendre un hommage particulier aux membres de notre importante plateforme et apprécier ce précieux partenariat que j'entretiens avec la Fondation Merck en tant qu'ambassadrice de Plus qu'une mère. Je suis très heureuse du fort engagement de la Fondation Merck à vouloir renforcer les capacités des médecins et à nous accompagner dans la mobilisation de la population sur des problèmes importants de santé publique de mon pays et à travers l'Afrique et l'Asie. Je suis également très fière de notre programme Empowering Berna, dans le cadre duquel nous avons créé de petits commerces pour les femmes infertiles et sans enfants, et les avons formées à la gestion de leur commerce afin qu'elles puissent avoir un revenu, devenir indépendantes et avoir un espoir pour une vie meilleure. Dans le cadre de ce programme, ma fondation a fait des progrès en identifiant, en collaboration avec le département des affaires sociales, 431 femmes victimes d'infertilité dans la préfecture de la Waka à Bombari, située à plus de 385 km de la capitale de la République centrafricaine. À l'instar des anciennes femmes infertiles prises en charge à Bangui, à Damara et à Mbaïki, dans le cadre de ce programme Empowering Berna, la Fondation Cri de cœur d'une mère est en train de développer un programme pour celle de Bombari, dont la mise en œuvre dépendra des ressources qui seront mobilisées. De plus, elle envisage étendre cette initiative dans 5 autres localités du pays, conformément à son plan d'action. Au nom de mon pays, la République centrafricaine, je suis très fière et très heureuse de m'associer à la Fondation et de travailler en étroite collaboration avec elle, car elle nous aide à faire progresser et à renforcer le système de santé en Centrafrique en offrant des bourses à nos médecins locaux dans diverses spécialités médicales. Jusqu'à présent, une bourse dans le domaine de l'oncologie et 4 dans le domaine du diabète ont été déjà accordées par la Fondation Merck. Pour mon pays, les besoins en spécialistes dans le domaine de l'oncologie et du diabète sont encore énormes. Et nous attendons la décision de Merck pour la reprise de ce programme afin de nous permettre de proposer d'autres médecins à former. De plus, dans le cadre de la mobilisation de la population autour du programme appuyé par la Fondation Merck, 5 candidats centrafricains ont reçu des prix de reconnaissance Médias d'Afrique de la Fondation Merck intitulé « Rester à la maison, plus qu'une mère, porter des masques avec soin » dans différentes catégories de canaux de communication en présence du ministre de la Communication. Dans le cadre du programme Éduquer Linda, afin de soutenir l'éducation des filles, nous venons de distribuer 3000 kits scolaires fournis par Merck aux écolières centrafricaines d'une école de Bangui et 2 autres écoles en périphérique de Bangui. Pour ce programme,
La Fondation MERC va bientôt offrir des bourses à 20 écolières défavorisées de notre pays pour une durée de 5 ans. Distinguée personnalité. C'est aussi pour moi un grand plaisir et un agréable devoir de travailler avec mes chères sœurs, les premières dames d'Afrique en collaboration avec la Fondation MERC pour transformer le paysage des soins aux patients, briser la stigmatisation de l'infertilité, soutenir l'éducation des filles et sensibiliser sur différents fléaux à travers l'Afrique. Par ailleurs, je voudrais profiter du haut de cette tribune qui m'est offerte pour rendre un hommage mérité à la Fondation MERC pour ses précieux dons offerts à mon pays dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la communication. C'est pourquoi, au nom des bénéficiaires, au nom du peuple centrafricain et en mon nom propre, je voudrais lui adresser toute ma gratitude. Je voudrais aussi adresser toute ma gratitude à mes sœurs, les premières dames. Avant de terminer mon propos, je voudrais rassurer la Fondation MERC de l'importance que j'accorde à notre partenariat déjà agissant et du souhait de continuer de travailler ensemble. Joyeux anniversaire à la Fondation MERC. Vive le partenariat entre la Fondation Cri de cœur d'une mère et la Fondation MERC. Je souhaite plein succès aux travaux de la 9e édition de MERC Foundation Africa Asia Luminary. Je vous remercie.